Ça vous a raté, ivoirien, ivoirienne. Ça vous a lépé. Gbagbo fait comme Ma petite vidéo où je disais que Doxy a insulté les gens de la diaspora pour dire qu'ils sont pauvres là. Vous êtes allé m'insulter, non? Quand je vous dis de vous-même vous respecter, vous voyez sans jeu. Vous avez cru que c'était abusé. Lolo vous a raté. Elle vous a traité de prostituée, de sale. Elle vous a raté. Demain là. Demain là. Ça va vous servir de leçon. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Vous n'avez rien vu encore. Traitez toutes les filles. Et puis elle vient se démentir pour dire que oui, si tu te sens concernée, c'est que c'est toi. Mais non. Elle dit toutes les filles de la diaspora. Les filles qui sont en France, les Ivoiriennes, sont sales, paresseuses. Les garçons, coco. Vous avez coco. Ça sort comme ça, très bien. Oh, Seigneur. Eh, Seigneur. Vous lavez comme mais du n'importe quoi. Et puis demain, vous partez acheter encore ces produits. Lolo, tu as bien fait. Vraiment, chapeau. Vraiment, je te remercie. Vraiment, merci. Parce que nos soeurs, c'est ça, il faut pour ouvrir leurs yeux. Quand moi je fais, mais vous avez vu tes vidéos bizarres, tu conscientises personne. Vous avez dit ça, non? Quand même je parle la vérité, vous venez m'insulter que pourquoi moi je suis jalouse de Lolo, jalouse de mes soeurs, jalouse d'Emma, jalouse des Doxy. Vous m'avez dit ça, non? Moi-même, jalousie va me tuer. Lolo vous a raté. Lolo, pardon, Aïman, faut bisser encore. Il manque le mot bis. Ndo soit tibis. Le surlendemain, Aoula, nous guanou, nous djedje, nous mambé. Vous n'avez rien vu encore. Quand les gens sont là, ils viennent, ils essaient de faire des vidéos de sensibilisation. Vous les traitez, pardon, comme du n'importe quoi. Vous les minimisez. Vous n'avez aucun respect pour les personnes qui essaient d'envoyer, on va dire, la paix, qui essaient de sensibiliser. C'est quand on parle de vagin. De rien de serré, quand on y toi, là vous aimez. Hein? Tous ceux et celles qui viennent vous conscientiser, vous ne les respectez pas. Vous respectez ceux et celles qui viennent insulter. C'est bien fait. Lolo vous a Je raté. vois des blogueurs ici qui parlent des choses sensées, qui essaient d'ouvrir nos yeux sur nos comportements, sur nos façons de faire. Même moi, je parle pour ouvrir nos yeux. Pour essayer de comprendre, pour qu'on essaie un tant soit peu ensemble de comprendre. Je n'ai pas le résultat, le résultat espéré, je ne l'ai jamais. Personne ne comprend ce que je dis. Puis je ne sais pas si c'est moi qui m'exprime très mal, ouais. Si c'est français, vous ne comprenez pas, ouais. Mais quand on parle des clashs, d'injures, là, vous aimez. Lolo, pardon, demain là. Faut, eux tous, il faut les insulter. Même de leurs ancêtres, insultent. Comme ça, Ivoirien, il va ouvrir un peu ses yeux. Vous n'avez rien vu encore. Elle va vous insulter matin, midi, soir. Parce que c'est ce que vous méritez. Parce que vous êtes bête de la suivre. Vous avez décidé de la suivre. Donc, elle va vous insulter. Ceux qui vous respectent dans les vidéos, qui essaient de vous conseiller, de vous sensibiliser, là, vous ne les suivez pas. Vous suivez les gens qui vous insultent. Allez-y, Lolo, Guanoukou. Billez-nous, djedje-nous, chie dedans. Moi-même, je te soutiens. N'importe quoi. Quand tu viens, ah, toi, tu n'as rien à dire. On a trop entendu ça. Toi, tu es qui pour nous conscientiser? Voilà, quelqu'un qui va vous conscientiser. Mais avec les injures, sans aucun respect. Qui va vous conscientiser parce que vous êtes de la merde. Asseyez-vous, vous allez voir. Du courage, hein? Du courage. En tout cas, moi. Je ne me sens pas concernée. Elle va vous blinder. Et puis, arrêtez de venir me dire non. Lolo a parlé des Ivoiriennes. Elle va vous insulter matin, midi, soir. Et puis, moi, je vais la soutenir.